Salut, c'est Manu Super 100 pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, je vais vous faire un tuto. Alors, c'est un tuto pour enregistrer, enfin filmer sur un ordinateur, enregistrer le son, etc., vidéo et tout, sur Mac. Parce que moi, je suis sur Mac. Alors, c'est très simple. Donc, déjà, vous voyez ça là. Je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a marqué enregistrement audio. Alors, c'est tout simple. Tout d'abord, il vous faut à tout prix que vous téléchargez QuickTime Player qui est là. Donc, pour le télécharger, vous tapez comme ça. Alors, bon, ça, je sais pas, vous le voyez pas. Alors. Quick Time Player. Voilà, Time Téléchargement. Donc, normalement, vous cliquez sur le premier lien. Ouais, donc c'est pas celui-là, évidemment. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est celui-là. Toujours pas, bref. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. Voilà, son Quick Time Player n'est pour Mac. Ni que je crois qu'il existe pour Windows. Voilà, c'est celui-là. Comme vous voyez, donc c'est là. Donc vous cliquez sur télécharger, donc ça apparaîtra là. Donc, attendez, j'ai pas ça. Moi, je l'ai déjà, j'ai déjà téléchargé. Vous téléchargez, après vous faites installer dans les applications. Donc au pire, je vais le re-télécharger pour vous, si vous voulez. Je sais pas si ça a marché, hein, mais bon. Voilà, donc là, c'est là, ça télécharge. Ah, c'est pour Snow Leopard, celui-là. Voilà, alors, une fois que c'est téléchargé, donc, vous cliquez. Donc là, ça va ouvrir. Voilà, donc il est là. Vous recliquez, double-cliquez. Et là, ça va vous demander d'installer. Donc moi, je ne vais pas installer. Je ne veux pas. Parce que je l'ai déjà installé, ça va me dire. Voilà. Donc je ne vais pas le réinstaller. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est tout simple. On va fermer. Pour enregistrer ou voilà, pour enregistrer ou filmer, donc vous cliquez assez longtemps et là vous verrez qu'il va marquer nouvel enregistrement de l'écran, nouvel enregistrement audio et nouvel enregistrement vidéo. Alors vidéo c'est pour utiliser votre webcam, audio c'est donc c'est audio et écran c'est écran. Voilà. Et après donc pour enregistrer le son du jeu c'est tout simple parce que si par exemple là j'utilise un casque donc vous n'entendrez pas non, normalement vous n'entendez pas le son du PC mais si vous voulez entendre le son du PC, il suffit juste de se procurer un mini casque, une sorte de mini truc fait exprès que on peut avoir. Par exemple, moi je l'ai eu avec ma Xbox 360. Donc si vous avez une Xbox, vous pouvez vous le prendre. Si vous l'avez pas, vous en procurez un. Ça coûte pas cher, ça doit coûter 10 euros, qui permet en fait d'entendre aussi le son du truc. Ou alors vous enregistrez sans casque, mais l'audio va pas être top top. Voilà. Donc là, voilà, j'utilise mon Triton, mais ça, c'est une autre histoire. Alors après, donc moi, je vais dans le logiciel montage audio. Donc là, il y a mon intro. Là, c'est tous mes logiciels. Donc QuickTime Player. Donc vous voyez, c'est lui. Et là, il y a alors après, pour faire les montages, moi, j'utilise Final Cut Pro Trial 10. On va l'ouvrir. Alors, Agree. Donc ça, c'est normal. Donc c'est la version d'essai. Je l'ai jamais fait, moi. Hop, j'ai l'habitude. Tout. Donc Final Cut Pro Trial. C'est normal, ça charge. Alors, bientôt. Je vous prévois une surprise. Je vous prévois une surprise parce qu'en fait, je suis allé voir dans mes trucs YouTube et j'ai vu que j'avais. Vous verrez, mais j'ai 350 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Même si c'est marqué que 212 sur le truc. Je vous montrerai ça dans cette prochaine vidéo. Parce que là, nous sommes sur tuto, donc Final Cut Trial version 10.08, donc expert en 4 jours, voilà. Voilà. Bon, quand ça veut, voilà. Donc là, vous pouvez voir, donc ça vous met comme ça, donc j'utilise enregistrement. Voilà, donc là, vous pouvez voir que c'est le Pokémon Ruby qui a été posté. On est quel jour? Dimanche et samedi, donc hier. Donc vous voyez, là il y a mon intro, là il y a le son. Ça dépend en fait à peu près. Je l'ai mis comme ça. Voilà. Donc c'était un petit tuto. Attendez. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Bon, là c'est normal, ça c'est toujours normal. Alors, c'était. Donc après, quand vous cliquez sur enregistrement de l'écran, ça vous demande une zone. Par exemple, vous faites comme ça, voilà. C'est à peu près la même chose que ça, donc calculez. Donc. On va ouvrir ça. On va ouvrir n'importe quel jeu. Alors, on va prendre Ruby.
Pause. Donc vous faites comme ça. Ça vous le dira donc quand ça voudra. Voilà donc. Ah ouais, mince. Un truc qui est fait exprès donc vous pouvez pas voir, mais en gros, vous calculez ça à peu près de la même taille et vous pouvez filmer exactement ce que vous voulez. C'est génial. Et après, dans les paramètres, ça sera pour une autre histoire. Donc voilà, c'était tout pour ce tuto. Donc comment enregistrer son audio, vidéo et son comment enregistrer son écran, son audio et sa vidéo sur Mac. Donc abonnez-vous, commentez, likez et à bientôt.